Salut à tous les amis, c'est le HantouPlay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect. Oh yeah, et what the fuck is that? Eh bien ça y est, comme je vous l'avais dit durant la dernière vidéo, la précédente vidéo plutôt, oui, j'ai fait les plans tout seul de notre nouvelle prison. Alors comme vous pouvez voir là, c'est un peu pouh, c'est un petit peu voilà, c'est dense quoi. Il y a du bâtiment, il y a du plan. J'ai pas mis les chemins puisque sinon ça aurait buggé, on aurait eu des murs partout sur le sol au lieu d'avoir des chemins tout simplement. Donc ça c'est pas grave, je les ferai, enfin je vais les faire moi-même. Donc voilà, alors je vous avais dit que j'adopterais un nouveau design pour il y a du bâtiment. Alors je vais faire un petit tour du propriétaire tout de suite. Alors nous avons donc en premier lieu 3 blocs, le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3, c'est ainsi que je les ai nommés. Pardon. Nous avons donc des cellules en haut et en bas, pour être précis, 20 sur chaque côté. C'est-à-dire là, il y en a 20, 20, donc ça fait 40 cellules pour un bloc au total. En sachant qu'au milieu, on a un yard qui se trouve ici, là, juste à cet emplacement-là, plus deux douches. Que j'ai rassemblé en une grande ici, enfin deux grandes là au milieu. Là il y aura un yard et un yard aussi pour les trois blocs, voilà, pour les réunir pour faire une espèce de d'un seul et même bâtiment. Voilà, donc ça sera ce seront les trois principaux blocs. Sur le côté, nous avons la cantine avec la petite cuisine que j'agrandirai sûrement au fur et à mesure. Juste à côté, nous avons l'infirmerie et la morgue, le storage en haut et juste au-dessus la laverie. Bah, j'ai pas fait une très grande laverie puisque c'est pas utile, hein. Enfin, c'est pas très utile. Bon, je l'agrandirai peut-être, hein. Peut-être en rajouter un petit peu. Au milieu, nous avons deux mini blocs de cellules. Bon, voilà, c'est pas très. Histoire de combler l'espace. Au milieu, nous aurons. Enfin, au milieu du milieu, nous aurons donc l'espace où seront présents les chiens. Où stationneront les chiens, voilà, leurs niches seront installées ici. Pour pouvoir fouiller les prisonniers. Et en bas, nous avons le quatrième bloc, le bloc 4. Et juste à côté, un espèce de bâtiment que je me suis amusé à faire, c'est marrant. Là, il y aura donc la power station, l'électricité et l'eau. Et ici, le workshop avec des deux côtés, gauche et droit, on aura les solitaires. Et là, un espèce de truc architectural à 2 balles, un couloir. Puis juste à côté, les bureaux avec l'endroit aussi où les. Comment ça s'appelle? Les concierges pourront déposer tout leur matos. Et bien sûr, tout ça entouré de quelques miradors. Hein, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà, qui font le tour. Sachant que je pense qu'on achètera les zones à côté du terrain pour. Enfin, une ou deux, voilà, histoire d'agrandir un peu plus et que cette prison dure plus longtemps. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai commencé à leur faire faire ce bâtiment-ci. Donc, le holding cell. J'avais pas tout à fait fini. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Bah on va mettre play. Alors attendez. Ça on va enlever. Et on va mettre des barrières matérielles. Tac. Hop là. Voilà. C'est parfait. Ils ont bétonné un peu tout. Vu qu'on a du cash, 264 000, puisque je le rappelle, j'ai vendu la prison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer au Mirador. Hein. Voilà, hein. Je pense que j'accélérerai le temps, mais. Bon, ça va coûter ce que ça va coûter. Ah non, non, non. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Oui, alors, je vais juste faire les miradors. En concrete wall. Pour pas que ça me coûte trop cher. Parce que sinon, ça va être la mort. Et au milieu, je vais mettre un perimeter wall. Ah ouais, mais merde. Ça coûte 2 fois plus cher. Ok, on va mettre du concrete wall. Parce que 200... voilà quoi. 200, le je sais pas combien de mètres, c'est trop cher. Le concret, enfin le périmètre, on le mettra quand on aura accès à mettre, hein. Enfin, j'allais dire quand on aura de la thune. Parce que regardez-moi ça, regardez comment ça me coûte de la thune. Sachant que faut que je fasse tout le tour de la prison avec, hein. Regardez-moi ça, ça va. Oh là là, ça me fait mal au cœur, 6 000. Et hop, 12 000. Voilà, bim. Ah là là, ça fait trop mal, vous vous rendez compte? Laisser une telle quantité d'argent. Oh là là, là, ça va me tuer là. 5 000! Ah, c'est moins cher. C'est. Ouais. Bon. J'aurais laissé pas mal de fric là-dedans, hein. Mais bon, il en va de la sécurité de la prison, ne l'oublions pas.
Et puis, il faut pas oublier qu'il y a toujours les grains pour nous aider. Alors par contre, niveau profit, je sais pas vraiment comment ça marche. Si ouais, les profits de ma prison rentrent en ligne de compte pour le calcul du salaire, on va dire ça comme ça. Voilà, on aura fait le tour. Alors pourquoi? Juste, attendez, que je comprenne un truc. C'est pourquoi ces messieurs ne se... Pardon, ne se mettent pas au travail. Ah, mais c'est parce qu'ils peuvent pas rentrer. Oui. Démolish. Voilà. On va faire passer le temps vite. Alors là, il y a un clampin qui va y aller. Vous voyez, ça va être beau. Bulldoze. Tac. Pourquoi ça se met à bugger là? Ok, c'est bon, ils se mettent à travailler. Ouais, c'est pas très. Je sais pas pourquoi là. Il y a OBS, ça a fait une mise à jour et ça bug un peu. C'est pas. Je sais pas. Peut-être en 30 FPS ou. Voilà, on va péter ça. Voilà. Ça aussi. Voilà. Voilà, ça c'est bien. On va tout de suite s'attaquer aussi, faut pas que je l'oublie, à l'électricité et à la flotte. Parce que ça va être très 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 important. On va mettre direct des stave doors. Voilà. Auquel on va rajouter bien sûr une power station. Qu'on va mettre là. Et une pompe. Une grosse pompe. Une fucking grosse pompe. Et oh putain, quel con. Me dis pas que j'ai fait ça. Putain. Ils vont devoir détruire ici. Demolish wall. Voilà, ils vont devoir démolir ici. Sachant que je mettrai des lampes bien évidemment au milieu. Et les. Non, il y aura pas de patrouille. Donc voilà, c'est construit. Ça va leur prendre un petit bout de temps. On va bien sûr faire la cantine cuisine ainsi que l'infirmerie et la morgue. Pourquoi il veut pas là? Voilà, ainsi que le storage. Prenons les objets. Alors, il nous faut des portes. Tout de suite des portes, les amis. Une petite staff d'or ici. Avec. Non, ici on va mettre une. On va mettre une porte normale. Voici. Avec ici par contre une porte comme ceci. Et là, pareil, on va mettre une stave door. Ok, voilà, nickel. Ça, la laverie, on la fera peut-être. On la fera pas tout de suite. Bon, j'espère que ça bug pas trop. Ça doit être le planning qui fait un peu bugger en fait, hein, je pense. Voilà, les murs, résultat, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, tac, hop, 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 voilà. Merde, non, c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? Ok. Non. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Il faut qu'ils détruisent ça. On a notre ami Jean-Pierre ici présent, je sais pas ce qu'il fait. Me dites pas qu'ici j'ai mis du. Ah, je me suis planté ici, j'ai pas mis des barrières. Ici j'ai mis du concret, je sais plus quoi. Ah, ça a dû me coûter la peau du zboub. Ok, eux ils s'en sortent, pas de problème. Ouh là là, ça se voit que c'est du multi, je sais plus quoi, sample là. Et on va s'attaquer tout de suite à la construction aussi des bureaux, j'avais oublié. Très important. Avec une porte. Ici. On va mettre une porte normale et une stave door là. Voilà, parfait. On s'occupera des chemins un peu plus tard, hein, bien sûr. Là, on va mettre une porte aussi. On va mettre cette porte. Ah, c'est pas ça que je voulais mettre. Dismantle. Dismantle that. Tu vas me la dismantle. Dismantle. Voilà, vous allez me dismantle cette fuck. Voilà. Pourquoi j'ai mis une porte? Ils ont fait. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils ont mis.
Oh là 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 là. Ici, on va à la dismantle aussi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Solitary door. Ok, elle a dû bugger. Ici, on a des briques. Ouais. Écoutez, je sais pas vraiment ce qui se passe. Hein. Je comprends pas trop le délire. Donc là, l'électricité, tout ça va se faire. On va construire tout de suite les premières fondations pour le bloc numéro 3. Oh, ouais, comment? Fuck, ça me va pas, moi. Ah. Non. Attendez, faut que je fasse comme ceci. Bah après. Non. Non, voilà. 57 sur 26. Ouais, tout à fait. Après, vous inquiétez pas, en fonction du planning. Oula, ça m'a coûté 14 000. Ouh, putain, ça descend vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre les tacs. Voilà, tac. Les grandes de base qu'on a au début. Vous voyez, j'ai remonté. La thune, 70 000. Voilà, c'est nickel. Qu'est-ce qui se... Bah, putain, merde. Chet, ici, ça va bugger. Ça va faire des murs de merde. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi le problème? Pourquoi il y a une porte? Alors une porte, c'est perdu, je répète une... Ah, il manque un putain de mur ici. Y a pas un Jean-Guy là qui voudrait y aller, non? Ah, mais j'avais pas pensé à un truc. On va la dismantle aussi. Bon, on l'installera après les portes parce que j'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu buggées sur les bords. On va engager tout de suite. Ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ça. On va engager. Quoi? Exit. Ah oui, merde. Oh oui, le budget. Putain, faudrait que. Peut-être que. Ouais, je vende des. Quelques. Michou là. Toi, tu virais. Toi, t'es viré. Voilà, bon, tracing, ça devrait suffire. Tac, voilà. Tac, on embauche un petit chef. Et pourquoi? Putain, il manque encore un mur. À chaque fois, il manque un mur, les mecs, quoi. Vous abusez, là. Allez. Oh là là. Là, c'est bon, j'ai tout mis. On va pouvoir s'attaquer au Razor Electric. Electric Razor Object. Ici, on va pouvoir mettre ça comme ça. Le problème, c'est que c'est ouvert, quoi. Les solitary doors, elles restent ouvertes. Ça qui est chiant. Sherlock. Voilà. Voilà. Autosaving. Donc, j'espère que cette série vous plaît toujours, bien évidemment. Hein. Si jamais vous avez d'autres des idées, d'autres trucs, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Ah, c'est bon. Les bureaux ont été construits, paf! Alors là, je vous dis par contre, niveau capacité prisonnier, on va atteindre presque les 200 prisonniers. Hein. Ça va être l'orgie, si vous voulez. Mon avis. Ah, je vous le dis, ça va péter dans tous les sens, là. Putain, il va y en avoir du prisonnier. Ils installent les lumières, les petits ouvriers. Ah, je vous dis, là, ça va être. C'est pas une prison de guignolés. Hein. Là, on va accueillir du gros. Mais vraiment du gros, hein. Tiens, j'ai oublié de mettre holding cell ici. Voilà. Holding cell. Elle est assez grande, elle est même géante. Enfin, ouais, mais bon, c'est une prison de haute sécurité, s'il vous plaît. Alors, je ferai peut-être des petits couloirs, des chiottes, quelque chose comme ça. Un endroit pour pioncer. Puisqu'à chaque fois que je fais une prison, il y a toujours. Mais pourquoi ça bug là? Ouh là là, ça bug un peu. Ah oui, au fait, j'ai une bonne nouvelle. Je reçois ma carte. Donc j'ai reçu un mail de Top Achat. Je reçois ma carte graphique lundi ou mardi. Logiquement, je dis bien logiquement. Ce qui veut dire que c'est le retour de la puissance. Et ça va faire juste un bien fou de jouer avec de bons graphismes, de la bonne qualité, quoi. Bon, même si là, je me plains pas trop, quoi. Mais bon. Quand même, hein. Office. C'est le bureau, office.
Par contre, là, le jeu se met à bugger. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, bah écoutez, je vais attendre d'avoir ma carte pour vous faire le prochain épisode, je pense. Alors, hein. Ici, il manque un mur. Tac. On va faire ça, un petit mur là, un mur ici, un mur là. Voilà. Je compte aussi faire une salle d'exécution, comme vous me l'avez demandé, durant cette nouvelle prison. On va essayer de se faire ça. Puis pour faire des exécutions, juste pour le fun, quoi, voyez. Ah, là, ici ça a été construit, ok, donc parfait. On va pouvoir faire ça. On va pouvoir mettre. On va commencer avec 4 capacitors. Il faut prévoir, hein, on sait jamais. Et on va tout de suite. Bah voilà. Déjà. Tac. Alors, un tuyau central comme cela. Ça coûte pas trop cher, ça va. Un tuyau comme ceci. Un tuyau comme cela. Et un autre tuyau comme ceci. Voilà. Voilà, parfait. Comme ça, bonne distribution en eau. Ça m'a compté bonbon, hein, je vous le cache pas. Mais bon, hein, il faut ce qu'il faut. Là, on va faire. Tac. Par contre, faut que je fasse gaffe. Ouais, ici. Nyeon. Voilà. Ici aussi. Purée, le réseau électrique et le réseau en eau, je sens que ça me coûte bonbon. Mais il faut ce qu'il faut, hein, comme je disais. Alors, attendez, que je repère les tuyaux. Enfin, les câblages. Ouais, quand même, niveau infrastructure eau et tout, ça va vraiment coûter cher là. Hop, mais on a les moyens. Merci la première prison. Tac. Ok, nickel. Voilà, c'est parfait. Ouais, on a tout alimenté. C'est nickel. Ok, la power station est en état de fonctionner. Je répète, non, elle n'est pas encore en état de fonctionner apparemment, si. Est-ce qu'elle est en off? On. Non, non, ouais, c'est juste que. Ouais. C'est juste qu'ils l'ont pas encore activé. Donc on va s'attaquer. Alors qu'est-ce qui est prêt? On va mettre des objets. On va quand même. On est sympa avec notre petit directeur qui dirige les opérations de la prison. On va lui mettre une petite chaise. Fallen. Non. Fallen cabinet. Voilà. Et on va lui mettre des portes, bien sûr, puisqu'ils ont besoin d'être tranquilles dans leur bureau. Voilou, voilou. Donc. On va lui apporter ça tout de suite. On fera les chemins après, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, alors, pour le holding cell, je pensais à faire un espèce de pseudo-dortoir de chaque côté. Vous voyez, comme ceci. Peut-être un peu plus grand. Non, ça suffira. Alors, attendez, un peu. Non, c'est bon. Voilà. Donc, les prisonniers rentrent par là et il y a des bancs. Il faut des chiottes aussi. Il faut des chiottes. Planning. Attendez. Planning. Ça, tu me vires ce truc. Voilà. Mur. Alors, les murs. Je prends les brick walls. Ah, les chiottes. Alors, les chiottes. Qu'est-ce que. Où que je les fais, les chiottes. On va faire un truc un peu architectural aussi. Bon, là, il y aura un cabinet. Un petit cabinet là. Petit cabinet ici. Voilà, on fait pas des chiottes très très grandes, hein. Mais voilà quoi, on fait trois chiottes. On fait de la même de l'autre côté. Je préfère faire des chiottes fermées puisque je sais pas, c'est question de dignité, voilà. C'est plus propre aussi. Tac, voilà, parfait. Nous aurons de belles toilettes ici, j'en suis sûr. On rajoute des bancs. Des bancs, des bancs. Alors les benches. Parce que oui, au final, faut que des bancs quoi. On va les foutre bien au milieu. On en met bien la masse. Puisque je sens qu'il y en a pas mal qui vont rester là. Des téléphones aussi. Puisque je sais que. Il y en a pas mal
qui... y a des... Merde, comment ça s'appelle? Des... Ah! Vous voyez quoi, des... Ah, j'ai oublié mes mains. Des contrats, oui, qui demandent... Il y a un contrat qui demande... qui demande ça, voilà. Des téléphones. J'ai peut-être fait le con, là, en fait. Pas les mettre comme ça. C'est plus optimal de les mettre dans ce sens-là. Eh! Je suis pas con, dites-moi. Pensez un petit peu. Voilà. Ok, voilà. Donc, une holding cell plutôt sympa. On va mettre une porte normale, puisque voilà. Ici, pareil, des portes normales pour les chiottes. Voilà. Pareil. Je vais faire la même chose ici. Et là. Ok, il y en a déjà. Bon, pour le holding cell, c'est nickel. Par contre, ouais, ça bug un peu, c'est chiant. C'est rempli à ras-bord, les pauvres, comme ils doivent bosser. Et là, j'ai pas fait d'entrée. Ah, effectivement, oui, ça va poser problème. Object, tac. Et voilà, il y a une entrée. Putain, 350 boules quand même, les grosses portes, hein. Ah, puis... ah merde! Je me disais bien qu'il y avait un problème, putain! Ils sont coincés! C'est putain de trop du cul. Pétez-moi ce mur là. Allô? Ils sont buggés, regarde, ils font la danse de la victoire. Il y a un clampin qui va venir ou... On va attendre qu'il y ait un Jean-Patrick qui se ramène. Ouais, non, parce que là, forcément, il y en a... y en a combien d'ailleurs? 5, 8, 9. Il y en a 9 qui branlent rien et 3 qui travaillent, quoi. Comme en vrai. Non, j'ai... ouais, putain, mais ils ont trop de boulot. Non, mais sérieux, là, putain, mais vous foutez rien, là. Pétez-moi un mur. Oh, mais ils sont cons en plus. Pétez-moi un mur. Je crois qu'ils sont complètement bloqués en fait. Hein. Regardez ça, quoi, quand on les touche, ils dansent. Alors, en fait, c'est ça de vouloir faire des trucs fermés. Ils peuvent plus sortir. Ils peuvent plus en sortir. bon, j'ai besoin d'un mec. Ah putain, j'excède. Écoutez, il y en a combien? Ah, mais non, c'est débile de faire ça va me coûter la peau du cul. Sachant qu'un ouvrier, ça coûte 500. Ouais, non, ça vaut pas, quoi. Ça sert à rien de faire ça. Je perds plus de fric. Non, mais sans deck, les mecs, quoi, putain. Bon, écoutez, j'essaierai de débloquer la situation tout seul, et c'est déjà la nuit. Ah, putain. Et il y a de la flotte ici. Ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Regarde ça! Regarde ça, c'est la merde. C'est la merde. Eux, ils font rien. Ah, l'électricité est arrivée. Ah ben non, je suis con, c'est la pompe qui a été activée, pardon. Hop, je me remets bien droit sur mon siège. Vous voulez pas, vous êtes sûr là? Vous voulez pas détruire un petit peu la quoi? Ils ont pas l'air d'avoir envie. Putain, mais pétez-moi ces murs, les mecs, quoi. Mais il y en a un qui l'a fait juste avant, regarde ça. Toi, je suis sûr que c'était Mickaël, on va l'appeler comme ça, allez, Mickaël. Mickaël, tu vas détruire ce mur. Détruis ce mur! Bon, au lieu de parler, je vais débloquer toute... J'avais oublié de faire ça. La dé... bureaucratie, j'allais dire la démocratie, mais non, la bureaucratie, bien entendu. Alors. Ah, mince, j'ai appuyé sur mon chronomètre, je m'excuse. Ouais, bon, je gagne que dalle, je perds plus de thunes, je pense. Putain, mais quelle bande de trous du cul. Ils ont trop de choses à faire, hein, les mecs. Ils ont trop de choses à faire. Bon, écoutez, si ce que je vais faire, c'est que je vais tous les virer. Allez. Virer. Virer. Virer.
Virer, virer, virer. Virer. Virer, virer. Voilà! Bande de sacs. Maintenant. Voilà, je les ai réembauchés. Oh, mais quel con! Il y a un trou dans le truc maintenant. Bon, je ferai une porte, c'est pas grave. On s'en occupera plus tard. Bon, maintenant, vous allez pouvoir bosser, bande de lopettes. Parce que c'est pas tout, mais bon, hein. Faudrait quand même que ça bosse, là. Regardez-moi ça. Bon, le holding cell sera bientôt fini. Je pense que... Ouais, j'essaierai d'avancer tout seul. Je vais essayer de construire un peu tout pour que dans le prochain épisode, vous puissiez voir les premiers prisonniers arriver dans cette magnifique prison. Donc je pense que la prochaine fois que je vous ferai donc le prochain épisode se passera avec ma nouvelle carte. Wouhou! Ta-da-da-da! C'est la fête. C'est la fête et c'est le week-end aussi pendant que j'y suis. Là, ils ont toujours pas fini. Ouais, putain, ils ont trop de boulot. Ils font quoi? Ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont. Ah oui, mais ok, ils vont construire toute l'infrastructure électrique. Merde, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Bon, on va faire chaque chose en son temps. Je pense qu'au début, je vais construire un bloc. Le workshop avec. Bon, ça c'est bon. Puis peut-être un deuxième bloc. Ouais, on va s'attaquer. On va faire ça. Faudrait que j'installe les lumières aussi dans les miroirs, enfin dans les corridors là. En tout cas, ma holding cell, je suis content parce qu'elle est très jolie. Et là, ils ont toujours pas défoncé ça quoi. De toute façon, j'en ai pour perpète. Hein. C'est pour ça, faut pas leur trop leur donner d'ordre au début parce que regardez-moi ça, c'est rempli à ras-bord les pauvres. Ils ont du mal là. Hein. Faut pas trop leur donner d'ordre, je disais donc. Sinon, bah, vous êtes vite débordés, quoi. Dès que vous rajoutez, plus vous rajoutez des ordres, et plus c'est la merde, hein. Plus vous allez attendre pour qu'ils les accomplissent, hein. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Tuyaux, ouais, ils vont surtout s'occuper des tuyaux. Ça va mettre 30 ans, mais au moins ça sera fait. Ouais, non, c'est bon. Allez, on construit les tuyaux. Il faudra vraiment que je mette des chemins comme ça ils pourront se déplacer à vitesse lumière. Je répète, bon là il se passe vraiment pas grand-chose, je suis désolé, mais bon. C'est pour que vous voyez un minimum. Mais je vous jure que là, le prochain épisode, là c'était pour vous montrer les plans, on va dire l'idée globale de l'aménagement de la prison. Mais maintenant, quand on se retrouvera, il y aura un ou deux blocs de fée, tout ce qui est cantine, tout ce qui est cette partie à droite, là ou là. Le holding cell, bon, les bureaux, bref, on s'en fout. Et peut-être le workshop aussi. Voilà. Et tous les tuyaux et les câbles seront faits. Ainsi que ça ici aussi. Ah oui, l'électricité, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon, on reste 2-3 minutes ensemble, histoire de déconner, hein. Voilà quoi. Parce que là, il n'y a pas grand chose qui se passe. Nope. Nope, nope, nope. Bah tiens, je vais profiter pour vous parler d'autres trucs. Hein. Donc ouais, j'aimerais bien. Ouais, donc je vous l'avais dit ça dans la vidéo de War Thunder. J'ai acheté des jeux sur Humble Bundle donc. Et faut savoir que ouais, j'avais Seigneur des Anneaux War in the North, un bon RPG hack and slash que j'aimerais bien tester parce que je suis fan un peu de Seigneur des Anneaux, l'univers. Donc si vous êtes partant. Je vous fais une série dessus. Voilà. Je vous fais une série dessus. Pareil pour Dawn of War 2 et tout le tralala. J'ai aussi Game of Thrones en RPG. J'aimerais bien. En fait, je vais un peu me spécialiser. J'avais dit que j'étais que stratégie gestion. Mais bon, on va un petit peu décaler. On va faire stratégie gestion RPG. Enfin, voilà, ce genre de truc. Vraiment dans RPG, jeu de rôle. Un peu dans ça. Parce que je suis fan de ce genre de jeu aussi. C'est pour ça que je pourrais vous proposer du Fallout notamment. Si vous êtes intéressé. Enfin bref, je pourrais reprendre aussi CitiesXL et peut-être du SimCity. Ça va être cool. Ici, ma panne de la road là. Et ici flotte dans l'état parent. Putain. Et là, ils ont tout laissé en plan. C'est n'importe quoi. Ils se moquent de qui, hein. Bon, en même temps là, tous les tuyaux et tout, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. C'est pour ça qu'il faudrait que je laisse tourner le jeu un petit moment.
Et là, je veux vraiment que ce soit prêt. Enfin, c'est logique, hein. De toute façon, on n'accueille pas une prison. Enfin, on accue... Ok, je m'embrouille. On n'accueille pas des prisonniers dans une prison qui est même pas encore construite, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça un peu aberrant et qu'ils te laissent qu'un jour pour construire, en fait. Devrait laisser au moins 2 jours, voire 3, ouais, à la limite. Ce serait plus judicieux, je pense. Mais bon, heureusement, on a l'option qui permet d'enlever les prisonniers. Donc. Enfin, l'arrivée des prisonniers, de la stopper. Voilà. Donc, sur ce, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. Il s'est pas passé grand-chose, comme dans l'autre d'ailleurs. Mais bon, la prochaine fois, on aura des prisonniers. Ce sera un peu plus. Il y aura un peu plus d'action. Voilà. Donc, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et salut à tous. À la prochaine. Avant de partir, je rajoute juste un truc. Alors, depuis que Google+ et YouTube sont associés, enfin, je veux dire, c'est le même groupe, mais voilà quoi. Des fois, je sais pas pourquoi, pour répondre aux commentaires sur ma propre chaîne, quand j'essaie de répondre quand j'essaie de vous répondre, des fois, il me dit que je suis pas autorisé à poster, à répondre. Alors, je suis devant mon ordi, comme ça, tranquille, je fais quoi? J'essaie 3 fois et au bout d'un moment, ça me casse les couilles, alors j'arrête. Donc, si des fois vous me posez des questions et que j'y réponds pas forcément en commentaire, ça peut être ça. Hein. Je vous préviens parce que voilà, on pourrait mal interpréter. C'est à cause de. Je sais même pas cause de quoi c'est, mais bon, bref, ils me disent que des fois je suis pas autorisé. Donc voilà. Comme ça, vous serez au courant. Voilà, no problème. Allez, salut à tous, portez-vous bien!